nous avions pris une petite partie des gens par notre volonté et nous avions passé les communiqués dans des églises où nous sommes en train d'adorer pour former cette jeunesse d'une manière gratuite. Et un groupe de jeunes gens ambitieux de l'entrepreneuriat a vieilli cette chance de passer une formation en entrepreneuriat et qu'on appelle comme le premier groupe de notre arrivée sur la ville. Et aujourd'hui, nous avons la fierté de vous amener chez l'un d'eux qui avait suivi la formation en entrepreneuriat et qui est entré automatiquement en action et que nous vous amenons à écouter. Je m'appelle Héritier Kazantikabé. Je suis jeune entrepreneur congolais, résident à Kinshasa. Au début, j'étais très pessimiste. J'ai rencontré les formateurs sur le canal de mon grand frère Charles. C'est lui qui lui a donné l'espace, la salle où il a tenu la formation. Et c'est de cette façon-là que j'ai profité aussi pour faire partie de des personnes qui faisaient la formation. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Et à l'église, on a fait une communauté à l'église et je l'ai reçu. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le point sur lequel l'informateur nous avait montré, celui des croyances. Il nous avait parlé des croyances et moi, dans ce que j'ai fait, j'étais très pessimiste et je n'avais pas vraiment foi en moi. J'avais beaucoup trop peur et je ne pouvais pas avancer. Quand il nous a parlé des croyances, j'ai beaucoup eu foi et j'ai beaucoup eu le courage d'affronter ce que j'ai affronté pour devenir ce que je suis. Là, le financement de mon projet vient de la famille, vient de ma mère. C'est ma mère qui a financé mon projet. J'ai eu à la convaincre. Elle aussi, elle n'avait pas vraiment foi. Elle croyait que ce travail-là était vraiment ridicule. Elle refusait que je travaille comme ça, que je fasse ce travail-là. J'ai fait tout de mon mieux pour la convaincre. Et c'est comme ça que je l'ai convaincue. Elle a accepté de me donner cet argent. Et quand elle m'a donné, je suis parti acheter ce qu'il fallait acheter pour que je puisse convaincre. Quand je me suis lancé, j'ai trouvé qu'il y avait d'autres détails que je ne connaissais pas. Et ces détails-là qui m'ont vraiment fait reculer. Entre autres, il y avait les gens avec qui je travaille qui me fouillaient avec mes histoires de marchandises. Parce que ce sont des marchandises qu'on donne aux gens. Et c'est cela qui m'a fait reculer au niveau intérieur. Mais ça m'a permis de savoir certaines choses. Comme dans d'autres entreprises, ça s'est fait que avant que la personne prenne les histoires, il faut qu'il laisse l'argent. C'est ce que moi j'aime comme ça. Et nous avons des produits dans les jus et des l'eau. Nous préférons beaucoup les jus Festa parce que c'est les jus qui a gagné la marketing. C'est le jus qui est le plus bon. Je peux dire à ceux qui commencent sans être formés en entrepreneuriat, c'est que avant d'investir sur quelque chose, il faut que vous ayez d'abord foi en vous. Que vous n'ayez pas de croyances négatives. Il faut que vous-même, vous soyez l'auteur, les responsables de ce que vous faites. Il y a des mauvaises questions, il y a des mauvaises conseils qu'on peut donner aux gens. Et il y a aussi, donc les gens sont toujours là pour se moquer de vous.
Les gens sont toujours là pour se moquer des gens. Tu peux partager une idée avec une personne et il va toujours te se moquer de toi si il ne sait pas vraiment c'est que cela rapporte. Et je conseille aux gens d'avancer, d'aller de l'avant, d'investir et avoir foi en eux.